Bonjour à tous. Je me présente, je suis la présidente de la SFCTG et les membres du bureau et moi-même commencerons en 2021 en vous proposant une série de séminaires virtuels en français. Donc, les intervenants seront des chercheurs affirmés, comme aujourd'hui, et on veut aussi donner l'opportunité aux étudiants et postdocs de présenter leurs travaux. Les thématiques et dates sont toujours, comme avant, disponibles sur notre site et nos réseaux sociaux. Et les interventions des étudiants pour février pour ce mois-ci seront affichées à la fin de cette présentation. Je vous invite aussi fortement de voir sur notre site Internet pour prendre connaissance des gagnants de notre compétition, posters, présentations et vidéos concernant des sujets sur la thérapie génique et cellulaire par des étudiants qui sont vraiment bien réussis. Ambre Leleu et Victoria Ovginnikova ont fait une géniale vidéo sur le prime editing, donc je vous invite de regarder sur notre site. Et Lorraine Killen a eu un prix pour sa présentation sur les virus oncolytiques. Et finalement, Nicolas Serratis a fait un poster sur l'effet neuroprotectif des cellules souches du tissu adipeux. En plus, pour ceux qui sont intéressés ou qui veulent s'informer un peu plus, on a mis aussi un lien vers une présentation sur les vaccins COVID-19, donné par Thierry Walzer, qui appartient au CIRI à Lyon. Donc, je vous invite vraiment de regarder. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer notre intervenant, Mathias Titeux. Il est un membre de notre board, SFCTG. Il est un chercheur INSERM à l'Institut Imagine à Paris. C'est un institut qui est dédié aux recherches et traitements de maladies génétiques. Et après son doctorat obtenu en 2001, lui, il a rejoint le labo de Alain Ovnanian à Oxford, où il a commencé ses travaux sur le développement d'une thérapie génique utilisant des vecteurs lentiviraux pour une maladie génétique de la peau, l'épidermolysis bullosa. Il a aussi mis en place la production de peau humaine pour une greffe à long terme. Il a continué à explorer différentes approches thérapeutiques pour cette maladie génétique de la peau, ce qui a mené finalement vers un essai clinique, EpGraft, initié à l'hôpital Necker à Paris en 2020. Mathias, je te donne avec beaucoup de plaisir la parole, s'il te plaît. Merci beaucoup, Els, pour cette chaleureuse introduction. Je voudrais remercier le board de la SFTCG pour cette invitation qui me donne l'occasion de pouvoir présenter les différents types d'approches de thérapie génique pour ces maladies méconnues que sont les épidermolyses bulleuses. Donc, je vais présenter nos travaux dans le laboratoire, mais également des travaux de groupes de par le monde qui ont également présenté des résultats intéressants sur ce type d'approche pour ces pathologies. D'abord, je vais faire un rappel de ce qu'est la peau. Donc, la peau, c'est un organe complexe qui est composé de trois tissus majoritaires. Hein, majoritairement, c'est l'épiderme en surface, le derme qui est juste sous l'épiderme, et le plus profondément, l'hypoderme, qui est majoritairement constitué de gras. Il y a plusieurs types cellulaires qui composent la peau, ces différents tissus, donc des adipocytes, des fibroblastes dans le derme et majoritairement des kératinocytes dans l'épiderme. C'est un tissu qui est un organe qui est très bien vascularisé, ce qui pourra être un avantage pour des approches systémiques de molécules. C'est un des organes les plus accessibles. C'est aussi le plus grand du corps humain. C'est plus de 2 mètres carrés chez un adulte. Et c'est donc, par son accessibilité, idéal pour des applications topiques ou locales de composés. Si on zoome un peu plus au niveau de la jonction entre l'épiderme et le derme et qu'on
regarde la structure de cet épiderme, on voit que c'est un épithélium pluristratifié, donc il y a plusieurs couches qui vont de la couche basale qui donc est associée, qui est adhérente au derme sous-jacent, vers la couche, jusqu'à la couche cornée, qui est une couche de cellules mortes anucléées chez l'homme, qui va desquamer au fil du temps. Donc, majoritairement, l'épiderme est composé de kératinocytes, mais on observe aussi d'autres types cellulaires, comme les mélanocytes, qui sont responsables de la pigmentation, ou des cellules dendritiques spécialisées, les cellules de Langerhans, qui participent à la surveillance immunitaire de cet organe très exposé. L'épiderme est un tissu qui est en perpétuel renouvellement et il suit un programme de différenciation à réseau apical intéressant. Et il se renouvelle à partir de cellules souches somatiques qui sont présentes au niveau de la couche basale, qui est la seule couche de cellules en division, dont toutes les couches suprabasales sont constituées de cellules post-mitotiques. Et les cellules souches présentes au niveau de la couche basale vont s'auto-renouveler et vont donner fille à des cellules d'amplification transitoire qui vont avoir un certain nombre de divisions maximum. Et à la fin de leur cycle, elles vont se diviser non plus suivant l'axe horizontal, mais suivant l'axe baso-apical. Et elles vont, au fur et à mesure des divisions des cellules de la basale, être repoussées vers l'extérieur et finir par desquamer naturellement. Et ce processus dure à peu près un mois chez l'homme. Donc, une modification génétique à long terme ne peut se faire qu'en ciblant les cellules souches et de manière permanente. Ou alors, il faudra administrer le traitement plusieurs fois. Et donc, les approches de thérapie cellulaire et génique de ce tissu se sont basées sur l'existence de ces cellules souches et l'isolement de ces cellules souches dans les années 80 et des méthodes de culture. Ça avait été effectué dans le laboratoire d'Howard Green au MIT à Boston, notamment les travaux d'Yann Barandon, qui ont permis une culture, Redwald Green Barandon, une culture de ces kératinocytes et de distinguer des cellules souches, des cellules à fort potentiel prolifératif qui sont présentes dans l'espace interfolliculaire ou dans des réservoirs profonds du follicule pileux, qui est une annexe de l'épiderme, où sont présentes ces progéniteurs. Et donc, ces cellules, on peut les cultiver. Là, vous avez des photos qui montrent la culture de kératinocytes. Alors, ça forme des petites colonies ici, là, cerclées en rouge. Et là, on est 4 jours après l'ensemencement. Et après 8 jours de culture, ces cellules ont conflué. On a un tapis de cellules, de petites cellules collées les unes aux autres. On peut également isoler les fibroblastes de la peau, du derme, et les cultiver. Et on peut mesurer les capacités clonogéniques de ces populations par des études en dilution limite de ces cellules et montrer par la formation de grandes colonies des cellules à fort pouvoir prolifératif. Donc les conditions de culture des cellules majoritaires de l'épiderme et du derme sont bien maîtrisées. Parlons maintenant donc des pathologies, la pathologie ou des pathologies, parce que c'est une famille de pathologies, les épidermolyses bulleuses. Donc, elles sont toutes caractérisées par une fragilité cutanée de certaines muqueuses. Donc, l'adhésion de l'épiderme au derme ne se fait pas correctement et il va y avoir des bulles, un peu comme des ampoules, qui vont détacher l'épiderme à différents niveaux de profondeur. Et ce niveau de profondeur, du plus superficiel au plus profond, définit les différents sous-types d'épidermolyse bulleuse, donc les formes simples, avec un clivage qui se fait dans les kératinocytes basales, les formes jonctionnelles, où le clivage se fait à la jonction entre le kératinocyte et le derme, donc dans la membrane basale de l'épithélium, et les formes dystrophiques, où le clivage se fait plus profondément au niveau du derme. Et il y a plus d'une vingtaine de gènes maintenant qui ont été identifiés dans ces différentes formes. Et on va se focaliser sur le gène qui de l'AMB3, qui code la sous-unité bêta-3 de la laminine 3-3-2, qui est un des composants des hémidesmosomes, des structures d'adhésion de l'épidermoderme. Et on va se focaliser aussi sur le collagène 7, codé par le gène COL7A1, qui forme ces structures qu'on appelle les fibres d'ancrage, constituées de collagène 7.
et qui est la structure qui est altérée dans les formes dystrophiques. Alors, comment se manifestent les épidermolyses bulleuses? Au point de vue général, il y a des atteintes mucocutanées importantes, donc comme je vous l'ai dit, des bulles qui peuvent évoluer vers des plaies chroniques, qui peuvent être très invalidantes et douloureuses. Tout dépend de la forme des épidermolyses bulleuses, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Dans les formes les plus sévères, malheureusement, dans les formes dystrophiques en particulier, ces lésions chroniques peuvent conduire à la formation de cancers cutanés agressifs. On observe aussi des lésions des fanères, des ongles, dans certaines formes simples, une hyperkératose, et dans les formes sévères d'épidermolyse bulleuse dystrophique, les pseudosyndactylies avec des rétractions des extrémités qui sont très invalidantes. Alors, il y a des atteintes mucosales dans la bouche, dans l'œsophage, des atteintes oculaires. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'était pour illustrer le fait qu'on a affaire à des maladies systémiques, donc ce n'est pas uniquement une atteinte cutanée. Certes, le défaut cutané est très important, surtout dans les formes les plus sévères, mais si des traitements plus systémiques pouvaient être développés, ça serait un très grand avantage pour les patients. Donc, depuis les années 90 et la découverte des différents gènes, bon, on continue, hein, au départ, il y en avait même pas une dizaine, et maintenant, on est à plus de 21. Donc, on continue de trouver des nouveaux gènes dans cette famille. Une meilleure connaissance de la physiopathologie par l'étude de la clinique humaine et par le développement de modèles animaux ont été effectués par des groupes partout sur la planète, en vue également de développer des traitements. Et ces traitements se ciblent différentes ou sont composés de différents types de molécules, soit de l'ADN, soit de l'ARN, soit des protéines, soit des approches cellulaires, et également des approches de thérapie qui visent à traiter les symptômes plus que les causes et qui font appel à des petites molécules, des drogues et du repurposing. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les traitements de thérapie génique par transfert d'ADN complémentaire ou par édition du génome. Donc, pour les approches par transfert d'ADN complémentaire, il y a des méthodes non virales qui sont encore en cours de développement. Il y a des méthodes virales, comme vous savez, soit à base utilisant des vecteurs non intégratifs, comme les adénovirus, les AAV ou les herpesvirus, et les approches avec des vecteurs intégratifs, majoritairement les vecteurs dérivés de la famille des rétroviridés, qui sont les rétrovirus et les lentivirus. Et aujourd'hui, on va, parce que c'est les vecteurs qui ont été utilisés pour le traitement de différentes approches de thérapie génique dans les épidermolyses bulleuses, on va parler de rétrovirus, de l'antivirus et d'herpesvirus. Donc, les premiers cas de thérapie génique, les études pionnières, se sont portées sur le traitement de l'épidermolyse bulleuse jonctionnelle par des défauts de laminine 5, en utilisant sur des patients qui présentaient des mutations dans le gène LAMB3, donc la sous-unité bêta-3 de la laminine 5. Donc, c'était les travaux de Fulvio Mavillo et Michele De Luca en Italie sur un patient qui a été le premier en 2006 avec un vecteur rétroviral. On va parler un peu du développement de cette approche. Et puis, toujours sur une base de traitement compassionnel, ils ont traité un autre patient en Autriche en 2016 et finalement un patient en Allemagne il y a 2 ans. Et on va en parler plus à même plus tard. Et sur les approches de ciblant la l'épidermolyse bulleuse dystrophique, il y a 2 essais cliniques, donc un développé par un groupe de Stanford et maintenant repris sous licence par une entreprise qui s'appelle Abeona, et un essai de phase 1-2 que nous venons de démarrer à l'hôpital Necker. Donc, l'étude publiée dans Nature en 2018, je crois, était basé sur le transfert de l'ADN complémentaire de la sous-unité bêta-3 de la laminine 5, donc c'est un CDNA de 3,6 kilobases, grâce à un vecteur rétroviral classique dans des kératinocytes en culture d'un patient souffrant d'une épidermolyse jonctionnelle. Et après transduction de ces cellules, amplification des cellules transduites et génération d'un épithélium de synthèse au laboratoire, sur un support de fibrine, ils ont greffé en 3 fois
À peu près 80% de la surface corporelle. Donc, c'est ça qui est surtout intéressant et exceptionnel. C'est que dans les premiers cas, on avait un traitement sur des surfaces limitées du corps. Et dans leur dernière étude, ils ont pu montrer une très grande surface corporelle qui a été génétiquement corrigée. Et ils ont suivi le patient. Donc, maintenant, ça fait plus de 4 ans, je pense, mais. Dans leur publication, ils avaient 2 ans de recul et on voit qu'il y a une très bonne correction fonctionnelle de l'épithélium avec une très bonne prise de greffe. Si on regarde au niveau moléculaire les résultats, on a après 21 mois une expression maintenue de l'ARN messager du provirus intégré et une expression maintenue de l'alanine 5. Au niveau de la jonction dermo-épidermique. Donc, on a un vrai succès de thérapie génique et pas uniquement sur une zone limitée. Donc, c'est très encourageant pour les différentes approches développées actuellement, que ce soit pour les jonctionnelles ou pour les formes dystrophiques d'épidermolyse bulleuse. Je vais revenir un peu plus sur les formes dystrophiques et notamment dystrophiques récessives. Donc, c'est là on n'est plus sur des mutations qui touchent l'alanine 5, mais qui touchent le collagène 7. Toutes ces formes d'épidermolyse bulleuse dystrophique sont dues à des mutations dans le gène COL7A1. Ce gène, cette protéine, ce gène code le collagène 7, qui est une protéine qui est fabriquée à la fois par les kératinocytes basaux, mais également par les fibroblastes dermiques. C'est la différence avec les formes jonctionnelles et simples. C'est que le gène et la protéine manquante n'est pas synthétisée que par l'épithélium, mais également par le derme sous-jacent. Et cette protéine s'accumule à la jonction dermo-épidermique, elle forme une espèce de velcro qui va permettre l'adhésion de l'épiderme au derme. Et dans les formes intermédiaires, le marquage est amoindri, diminué, mais il peut être totalement absent dans les formes les plus sévères. Et vous avez ici une histologie montrant le détachement de l'épiderme au derme, c'est l'épiderme entier qui se détache. Et si on regarde en microscopie électronique, le collagène 7 forme des structures, comme je vous ai dit, un peu en boucle, comme du velcro, là, qui viennent attraper les trousseaux de collagène 1 et 3 du derme, qui sont visibles ici, et permettent l'adhésion de l'épiderme au derme. Et ces structures sont atrophiques, diminuées ou totalement absentes en fonction de la sévérité des patients et de la mutation. Et après l'étude pilote de Stanford, Abeona Therapeutics ça développe actuellement un médicament EB101 basé sur une thérapie génique pour les EBDR avec un transfert de l'ADN complémentaire de COL7A1 qui, lui, est, contrairement à la laminine 5, est assez grand, il fait presque 9 kilobases, à l'aide d'un vecteur rétroviral classique. Et exactement comme tout à l'heure, ils vont pouvoir isoler des kératinocytes, donc seulement les cellules de l'épiderme, les transduire pour les corriger, former des feuillets épithéliaux qui vont être greffés sur le patient. Et ils ont d'abord fait un essai clinique sur 4 patients, où ils ont pu suivre pendant 2 ans l'évolution des zones greffées. Donc il y avait 4 à 5 zones greffées sur chaque patient. Et si on regarde ici sur le patient 1, le site A, on voit qu'il y avait une plaie avant la greffe. Après la greffe, la plaie a été complètement corrigée. Et jusqu'à 1 an, ici en photo, on voit une amélioration de la zone greffée. Avec un immunomarquage du collagène 7, donc qui est ici en vert, à la jonction entre l'épiderme et le derme, qui est normalisé, alors qu'il était totalement absent à la baseline. Les petits points noirs qu'on voit sous la figure en microscopie électronique, c'est la détection par immunomicroscopie électronique, donc avec des anticorps couplés à des billes d'or, qui montrent la présence de la protéine réexprimée après thérapie génique. Et puis, chez certains patients ou sur certains sites, l'évolution était moins favorable, avec, vous remarquez ici, une période d'amélioration. Après 1 an, il y a des zones qui commencent à rebuler et à des lésions, et on voit une décroissance de l'expression du collagène 7. Donc, ils ont eu les deux types de résultats. Quand ils ont, comme il n'y avait de toute façon pas d'échec et aucun effet secondaire adverse, ils ont été autorisés par l'FDA à poursuivre l'étude et à inclure plus de patients, et donc ils ont inclus 3 patients supplémentaires. Et vous avez les résultats ici de certains de ces patients. En baseline, ici, vous avez une plaie chronique qui a été traitée avec 3 feuillets épithéliaux.
et avec une évolution favorable sur 2 ans. Alors qu'une plaie non traitée chez un patient, donc ça c'est un contrôle qui, sans greffe, vous montre la grande dynamique de ces plaies qui peuvent se résorber ou s'aggraver au cours du temps. Et chez certains patients, on va avoir le traitement de larges plaies comme ceci, qui vont temporairement, transitoirement s'améliorer, mais vont au fil du temps rebuler et se redécoller. Donc, il y a un résultat qui est intéressant et qui n'est pas malheureusement à 100% favorable. Et si on analyse un peu les résultats qu'ils ont obtenus, on se rend compte qu'ils avaient greffé sur différents types de zones, soit des plaies récentes, soit des plaies qu'ils ont induites, c'est-à-dire que l'épithélium n'était pas décollé, le chirurgien a enlevé l'épithélium du temps pour poser les greffons autologues de feuilles épithéliaux génétiquement corrigées. Et ils ont également traité des plaies érosives et inflammées de longue date, donc plus de 5 ans de plaies chroniques. Et c'est sur ces plaies qui sont inflammées et érosives depuis longtemps, où le derme en fait est également inflammé, enfin le siège d'inflammation et de fibrose, que les résultats sont les moins bons au cours du temps. Donc la question qu'on se pose, c'est vu que l'efficacité de transduction était la même pour les différents patients, en tout cas comparable, il semble peu probable que ce soit ça qui soit la raison de l'échec de certaines zones. C'était les mêmes populations transduites de toute façon entre les différentes zones sur chaque patient. Et l'hypothèse est que le greffon ne prend pas bien sur un derme très endommagé. Nous, dans le laboratoire du professeur Alain Vaudagnan, nous développons une approche similaire, mais au lieu de vouloir corriger l'épithélium pour les OBDR, donc ces pathologies qui touchent à la fois l'épiderme et le derme, nous souhaitons transduire à la fois les kératinocytes et les fibroblastes, donc deux populations pour régénérer non pas un feuillet épithélial, mais une peau équivalente génétiquement corrigée. Et ceci à l'aide d'un vecteur rétroviral, mais self-inactivating, donc une dernière génération de vecteurs, comme les vecteurs lentilles. Et donc, c'est aussi basé sur une greffe autologue, mais non plus de feuilles épithéliaux, mais de peau entière génétiquement corrigée. Donc, l'idée, c'est à partir d'une biopsie cutanée, on isole les kératinocytes et les fibroblastes séparément, on va les expandre en culture, on va pouvoir les corriger grâce au transfert de gènes avec le vecteur rétroviral. Il va y avoir un cell banking et tout un tas de contrôles qualité qui sont effectués sur la population de cellules transduites, qui seront congelées. Ensuite, elles sont décongelées, de nouveau multipliées en laboratoire, de manière à pouvoir générer des greffons de peau reconstruite qui peuvent être greffés chez le patient. Et donc, cet essai clinique vient de démarrer. Donc, c'est un essai de phase 1-2, on va en reparler. Alors, la différence entre les vecteurs SYN et les vecteurs classiques, c'est que dans les vecteurs de la famille des rétroviridés, on ne maîtrise pas le site d'intégration du provirus. Et lorsque l'on utilise un vecteur classique où l'expression du transgène est dirigée par le LTR viral, qui contient un très fort énhancer dans le domaine U3, on peut avoir une activation de proto-oncogène ou d'oncogène à proximité des sites d'intégration. Et pour limiter ces risques d'activation de proto-oncogène, donc de risque de mutagénèse insertionnelle, les vecteurs ont été modifiés pour supprimer l'énhancer U3. Il n'y a donc plus d'activité promotrice à partir du LTR viral et on va adjoindre un promoteur hétérologue à la construction pour exprimer le transgène. Donc, le deuxième avantage, c'est qu'on peut choisir des promoteurs tissus spécifiques. C'est le cas, par exemple, de la bêta-globine dans l'antiglobine de Bluebird. Alors, la première étape du projet pour nous a été donc de générer un vecteur SYN qui exprime le collagène 7. Et on avait choisi au départ deux promoteurs, un promoteur tissu spécifique qui est un promoteur court dérivé du promoteur endogène du collagène 7 et le promoteur court de facteur d'élongation 1 alpha. Celui-ci fait 660 paires de bases, celui-ci est encore plus court, il fait 220 paires de bases. Et la taille est importante parce que comme le CDNA est très très grand, il fait 9 kilobases, la capacité d'emport des vecteurs étant presque à leur limite, pouvoir obtenir des vecteurs à titre
suffisamment élevée était assez compliquée. Ensuite, il a fallu évidemment optimiser les conditions de transduction sur ces kératinocytes et fibroblastes primaires, et on a pu obtenir des taux de transduction qui étaient tout à fait satisfaisants, en maintenant un nombre de copies moyen intégré pas très élevé, entre 1 et 2. Et on a pu donc transduire convenablement des kératinocytes et des fibroblastes de ces patients, donc qui sont d'abord déficients en expression de collagène 7 et qui vont réexprimer la protéine, donc avec les deux types de vecteurs, avec le F1-alpha ou le promoteur collagène 7. Et ensuite, on a généré des peaux reconstruites à partir de ces cellules, alors en utilisant des hydrogels de fibrine, donc sur lequel on peut cultiver, dans lequel on cultive les fibroblastes et sur lesquels on peut cultiver les kératinocytes. Et ces hydrogels, donc ces peaux équivalentes, sont greffées sur des souris nude qui tolèrent les xénotransplantations. Et après quelques mois, on peut obtenir donc des patchs de peau humaine greffées sur ces animaux et qu'on peut analyser. Et quand on analysait 5 mois après la greffe des greffons qui ont été constitués de cellules normales humaines de patients EBDR déficients complètement dans l'expression de collagène 7 ou après thérapie génique, on a pu montrer la correction fonctionnelle à long terme. Donc, vous voyez ici l'expression de collagène 7 à la jonction dermoépidermique et les fibres d'ancrage de collagène 7 dans une peau normale. Ces signaux sont totalement absents dans la peau de patients non corrigés et on restaure l'expression de la protéine après thérapie génique et les structures en microscopie électronique. Donc ça, ça a servi de base au développement de l'essai clinique. Alors, rapidement, c'est une photo qui vous montre la jonction entre la peau de souris et la peau humaine, qui vous montre que l'épithélium est très différent et que l'anticorps ne reconnaît pas le collagène 7 mur. Donc, on a vraiment une expression du collagène 7 humain dans nos peaux reconstruites. Ensuite, il a fallu, pour le développement clinique, obtenir un lot GMP de vecteurs virales. Et grâce à la collaboration avec EFETS, maintenant c'est BioNTech, on a pu développer une lignée d'empaquetage. Comme on a un rétrovirus, l'avantage, c'est qu'on peut obtenir une lignée stable de production des particules virales. Et on a obtenu une très belle lignée d'empaquetage qui produit à haut titre. Donc, on a 5 millions de particules virales par ml sur l'agent brut, ce qui nous permet de pouvoir avoir une translation vers la clinique facile. La deuxième étape, c'était de changer la manière de produire les peaux équivalentes, à partir de petites pastilles de 5 cm² qu'on greffait chez les souris, sur des greffons de plus grande taille. Donc là, on a des greffons de 115 cm², et il a fallu donc développer d'autres systèmes avec l'aide de nos collaborateurs espagnols, et dont je vais parler plus tard. Et donc, on a armé l'hydrogel avec une gaz qu'on colle avec de la colle chirurgicale, ce qui permet de le manipuler, comme vous voyez ici, et de pouvoir le greffer par la suite. Et puis, avec l'aide du docteur Sonia Gaucher, qui est donc chirurgien plasticien, qui est dans le laboratoire et qui, elle, d'abord a travaillé sur les brûlés. Donc, il y a une grande similitude entre le traitement des plaies de brûlés et des plaies de patients EB. On a pu greffer ces peaux équivalentes sur un modèle de large de grand animal, donc sur des cochons de 2 mois, qui étaient immunosuppressés pour tolérer les xénotransplantations. Et surtout, ça nous a permis d'entraîner le chirurgien, parce que c'est Sonia qui greffe les patients maintenant dans l'essai clinique, et de définir les meilleures conditions de greffe de ces peaux reconstruites chez les patients. Et donc, sur cette étude, après 30 jours, donc c'est le temps, comme je vous ai dit, le temps complet de régénération d'un épithélium humain, on a pu montrer que les greffons se développaient normalement avec un épithélium pluristratifié, bien différencié, adhérent au derme sous-jacent, avec une expression de collagène 7 et de marqueurs de différenciation normaux de l'épithélium. Et par la suite, on a donc développé un projet de présélection de patients. Donc, c'est un essai clinique qui s'appelle EBGène, qui a donc eu lieu de manière à sélectionner des patients, une dizaine de patients atteints de formes modérées à sévères de BDR qui présentaient un taux détectable de collagène 7 parce que comme il y a un risque de réponse immunitaire aux produits du transgène, donc au collagène 7 néosynthétisé chez des patients qui n'en auraient jamais produit après la thérapie génique,
parce qu'il n'y a pas de reconstruction du système immunitaire en même temps que la thérapie. Donc, il pourrait y avoir une réaction immunitaire humorale ou cytotoxique contre le collagène 7 ou les cellules qu'il produisent. Bien évidemment, il fallait que ces patients aient des mutations de collagène 7 connues, qu'il ait des sites qui permettent des greffes en zone lésée ou non lésée, qu'ils soient par ailleurs en conditions générales pas trop délabrées, parce que c'est une maladie qui est très invalidante au cours du temps et avec l'âge, ça ne s'améliore pas avec l'âge. Il fallait que ce soit des patients adultes et qu'ils aient évidemment une très forte motivation pour entrer dans l'étude. Et au décours de cette étude préclinique, enfin, clinique de sélection, on a sélectionné différents patients. Donc, l'essai se portera sur 3 patients. On en a déjà enrôlé 2, donc un homme et une femme, qui sont pour lesquels on a pu prendre la biopsie cutanée, expandre les cellules au laboratoire, les isoler, les expandre et les corriger génétiquement. Ça, c'est en cours. Donc, le but de cet essai clinique BGRAFT, c'est un essai de phase 1-2, non randomisé, open label, single center. C'est une preuve de principe qui vise à démontrer l'efficacité et surtout l'innocuité de l'approche de greffe d'autologue de peau génétiquement corrigée pour les EBDR. Et donc, le médicament, c'est une peau autologue génétiquement corrigée avec le vecteur SYN rétroviral. Les greffes, ce sera un maximum de 300 cm² sur les patients en une ou jusqu'à 6 zones. Les localisations des greffes sont définies pour chaque patient par le patient et les chirurgiens, donc en fonction des présentations cliniques du patient et de ses souhaits. Donc, il peut y avoir des zones qui sont plus ou moins altérées qu'il souhaiterait voir recouvrir. Et l'anesthésie se fait en anesthésie générale. Et on a un follow-up de 12 mois après la greffe, mais on a un follow-up à très long terme de 5 ans qui est prévu sur tous les patients. Donc, les partenaires IBGRAFT, ils sont pour la plupart ici. Vous avez donc l'équipe française avec Alain Vnagnan, moi, Sonia Gaucher qui est le chirurgien. Il y a aussi Didier Kayser qui est un pharmacien réglementaire qui nous a aidé pour les dépôts des dossiers auprès des agences. Il y a nos amis et Hélène Lafolie. Il y a nos amis espagnols, donc Gustavo, Manuel et Maria Chiara, qui sont au Niño Jesús Hospital et qui est la zone, le laboratoire GMP de production de l'IMP, du médicament. Et nos collaborateurs madrilènes, Marcella, Fernando n'est pas là, Magdalena et Maria, qui aussi ont collaboré à ce projet. Je vais rapidement parler d'approches alternatives qui sont développées dans d'autres endroits pour ces maladies, notamment l'approche de Crystal Biotech, qui est une boîte américaine, qui développe deux médicaments pour les formes dystrophiques et les formes jonctionnelles, non plus basées sur une thérapie génique ex vivo, mais sur une thérapie génique in vivo à l'aide de vecteurs herpétiques. Donc, l'HSV, le vecteur herpétique ne donne pas d'intégration dans les cellules souches, même les cellules non souches adultes de l'épiderme. Et donc, il va y avoir un effet transitoire. Et leur pari, c'est qu'ils vont pouvoir répéter les administrations de ces vecteurs viraux longtemps chez les patients. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a plus affaire à une thérapie nécessitant une culture, une greffe, mais on peut appliquer ou injecter localement directement le vecteur de thérapie génique, exprimer le collagène 7 manquant et améliorer les plaies chroniques. Et ils sont actuellement en train de conduire un essai clinique visant à déterminer l'innocuité et l'efficacité de cette approche. Une autre approche qui est développée par différents groupes, et notamment par le groupe de John McGrath à Londres, est non plus une greffe de peau ou d'épithélium, mais comme je vous ai dit pour les formes dystrophiques, les fibroblastes sont une des sources de collagène 7. Et leur idée est de transduire des fibroblastes après l'isolation chez le patient, de les expandre, de les corriger avec un antivecteur exprimant le collagène 7, et ensuite d'effectuer des injections intradermiques de ces cellules exprimant le collagène 7 et
et montrer s'il y a un maintien de l'expression à long terme, est-ce que ces cellules restent longtemps après injection. Et ils ont conduit un essai clinique sur 5 sujets qui a montré que c'était une approche qui était bien tolérée sans effet sérieux et sans réaction adverse. Ils ont vu une augmentation de l'expression de collagène 7 significative dans 3 des 4 patients, et ce pendant plus d'un an. Mais ce que montre aussi cette étude, c'est qu'il n'y a pas d'implantation à long terme des cellules injectées. Donc, il faudra réinjecter des cellules transduites si on veut espérer un traitement à long terme. Et ils n'ont pas pu mettre en évidence de fibres d'ancrage en microscopie électronique normalisées. Donc là, il y a encore soit il n'y a pas assez de collagène 7, soit il faudrait améliorer la stratégie. Néanmoins, c'est une stratégie qui est également développée par des concurrents, et donc une boîte américaine qui s'appelle Fibrocell, avec un produit qui s'appelle FCX007. Ils sont actuellement en phase 1-2. C'est exactement le même setup. Donc, on transduit des fibroblastes autologues et on va les réinjecter chez le patient. Et évidemment, il y a également des approches maintenant, on va dire, de thérapie génique de deuxième génération basées sur l'édition du génome. Donc, au départ, il y a eu des résultats avec des méganucléases ou des talènes, mais bien évidemment, toutes les approches modernes se basent sur l'utilisation de CRISPR-Cas9 dans le but de soit faire une addition de cDNA, soit une correction locale par recombinaison homologue, et plus récemment, utiliser des bases éditeurs pour corriger des mutations ponctuelles. Et donc, ceci pour toutes les formes d'épidermolyse bulleuse actuellement, c'est en cours de développement. Une collègue dans le laboratoire a eu des résultats très, très encourageants en CRISPR-Cas9 sur une mutation récurrente du collagène 7, homozygote chez cette patiente, donc dans l'exon 2, et elle a pu obtenir 10 à 15% de recombinaison homologue avec une correction de l'expression des transcrits et des protéines collagène 7 dans des cellules primaires, donc des kératinocytes et des fibroblastes. Et quand elle a greffé des peaux reconstruites, donc la même manière de ce que je vous ai présenté dans des souris nudes, donc avec des peaux reconstruites constituées de cellules kératinocytes et fibroblastes éditées avec CRISPR-Cas9, elle a démontré la restauration de l'expression de collagène 7 à peu près à 20% de la dose normale, ce qui est très encourageant. Et on estime que 30% d'une dose de collagène 7 serait complètement donnerait une amélioration clinique totale. Donc, la fenêtre thérapeutique, elle est entre 30 et 50% de la dose. Et puis, des collaborateurs espagnols ont utilisé une méthode légèrement différente, toujours basée sur CRISPR-Cas9, mais pas en utilisant de la recombinaison homologue. Mais l'idée, c'est de déléter un exon muté. Alors, il se trouve qu'il y a pas mal d'exons qui sont dans le même cadre de lecture, et je vais vous le montrer plus tard, mais ça n'empêche pas de... la fonction de la protéine n'est pas altérée par l'excision de petits exons. Ça dépend des exons, mais en tout cas pour celui-ci, c'est le cas. Et ils ont testé différentes paires de guides, d'ARN guides, pour exciser l'exon 80. Ils ont obtenu une très bonne efficacité avec cette paire-ci, à peu près 60-65% de délétion, ce qui a conduit à la restauration à une bonne efficacité de la protéine en culture. Ici, en Western blot, c'est démontré. Et après, toujours de la même manière, greffe de peau reconstruite éditée, ils ont montré la restauration de l'expression du collagène 7 à la jonction dermo-épidermique après excision de l'exon 80. Et avant édition, il n'y a pas du tout d'expression, il y a une mutation frameshift dans l'exon 80 qui conduit à une absence d'ARN messager. Alors, pourquoi ça marche? C'est parce que nous avons démontré dans le passé que les exons 73 et 80 du collagène 7 ne sont pas importants pour la fonction de la protéine. On peut les déléter et obtenir une restauration fonctionnelle. Donc, si vous avez ces cellules ici totalement dépourvues de collagène 7, vous les transduisez avec un vecteur qui contient la séquence du collagène 7, délétez l'exon 73 ou 80, vous reformez des fibres d'ancrage fonctionnelles. Donc, ça a servi à la base de cette approche, ciblant une mutation récurrente dans la population espagnole de l'exon 80 de collagène 7 par cette équipe. Et je voudrais maintenant remercier
tous les gens qui nous ont aidés, notamment Curibi et Ibi Therapeutics, qui financent l'essai clinique Ibigraft, Debra France, qui nous soutient depuis des années, et Debra International également, l'Europe, qui a financé la partie préclinique de ces traitements, l'AFM Téléthon et l'ANR. Et je voudrais principalement remercier les collaborateurs dans le laboratoire d'Alain Aubagnon, donc une partie de ces études donc sur le transfert de gènes pour les épidermoïdes dystrophiques, donc l'étude du gène Ibigraft et les approches de gene editing pour le COL7A1 ont été réalisées. Donc je voudrais remercier particulièrement Nathalie Pironon, Sonia Gaucher, Pierre Bunser, Araxelis Myrian, Camille Berthaud, Snegun Mishkinit, et également des anciens du labo qui ont participé à ces études, donc Laure Tonasso, Sandrina, Soélie Charbonnier, Audrey Deschat, Valérie Pandariès. Et je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mathias, pour cette très belle présentation sur les maladies du peau et la façon qu'on peut appliquer la thérapie génique pour les guérir. On est encore au début, je crois, d'un chemin, mais on est quand même déjà atterri en clinique. J'ai quelques questions assez précises. Par exemple, on sait que dans les maladies hématopoïétiques, on utilise surtout les vecteurs antiviraux. Vous utilisez encore, même si c'est un vecteur SIN, qui évite l'oncogénèse qui peut suivre un traitement avec un vecteur rétroviral. Pourquoi ce choix pour un vecteur rétroviral, en fait? Alors, c'est une excellente question. Il se trouve que j'avais comparé l'efficacité pour le transfert de gènes du CDNA COL7, qui est notamment, il est grand, il fait 9 kilobases, mais j'ai omis de le dire, il est très répété, donc il y a une très forte répétition de séquences dans ce CDNA, parce que l'hélice collagène, c'est une répétition d'un résidu glycine, tous les trois résidus. Et donc, on a eu une génération de ces collagènes par duplication d'exons dans l'évolution. Il y a énormément de séquences répétées. Donc, les vecteurs rétroviridés, et les lantivirus en particulier, n'aiment pas tellement les séquences répétées. Ça a été le problème pour le transfert des talènes, par exemple, à une époque, avec les IDLV, donc les lentilles non intégratifs. Et il se trouve que quand j'avais dérivé des vecteurs rétroviraux et lentiviraux, j'avais eu des résultats meilleurs avec les rétros qu'avec les lentilles. Donc une étude rapide avait montré, enfin, que j'ai faite par la suite, je n'ai pas pu conclure complètement, mais je pense que la rétrotranscriptase des lentivecteurs et lentivirus est encore plus capricieuse que celle des gamma rétro sur ces répétitions. Et donc, on a des réarrangements de séquences qui se font régulièrement à cause de sauts de matrice par la polymérase et qui empêchent d'avoir, pas forcément une transduction, mais une expression de la protéine efficace. Okay. Alors, des compétiteurs ont utilisé des lentilles par la suite, vous avez vu, mais les efficacités de transduction, notamment par nos collègues anglais, n'est pas très très bonnes. Ils sont de l'ordre de 12 à 20% de transduction, mais comme ils ont un CDNA avec codon optimisé et que le but c'est d'avoir des cellules qui vont exprimer le collagène 7 dans le derme à grande quantité, ça peut peut-être suffire. Néanmoins, on voit que l'étude montre une perte d'expression au cours du temps. L'autre avantage que conservent les rétrovirus sur les lentivirus à l'heure actuelle, c'est la capacité ou la possibilité de générer des lignées d'empaquetage. Et comme notre avantage majoritaire des lentilles, par contre, c'est de cibler des cellules post-mitotiques, mais cet avantage ne nous sert pas à grand-chose dans ce cas-là, parce qu'on utilise, ex vivo, une culture de kératinocytes et de fibroblastes où les cellules se divisent très bien. Donc les rétrovirus n'ont pas le désavantage, ce désavantage de ne pas pouvoir cibler les cellules quiescentes n'en est pas un dans ce cas-là. Donc on a des vecteurs qui sont au mieux comparables en efficacité et avec l'avantage pour le rétrovecteur d'avoir cette possibilité de faire une ligne d'empaquetage. Et comme le CDNA, la cassette est très grande, la production en transitoire de ces rétro ou lentilles est très compliquée. Donc, okay. En tout cas, c'est beaucoup moins cher
de générer du surnageant viral à partir de cette ligne d'encapsulation, pardon, que d'à partir d'un antivecteur. Et là, on a BioNTech nous avait, enfin c'était le fait à l'époque, nous a produit 200 litres de ce surnageant qui est toujours stable 5 ans après. Donc, on a de quoi traiter des dizaines de patients avec ce vecteur. Et j'ai encore une question que je trouve assez importante pour des gens en général aussi, parce que on se demande quand même combien de cellules au départ il faut isoler chez le patient pour arriver à une greffe, une peau qu'on peut greffer, corriger à la fin, en fait. Alors, c'est une excellente question. Donc, il y a énormément d'études qui ont été faites sur l'épithélium, hein, sur le kératinocyte et les progéniteurs des kératinocytes. Donc, là, typiquement dans l'étude, on part d'une biopsie cutanée de 2 cm². Et avec ça, on peut produire des mètres carrés, si l'on veut. À partir d'une seule cellule souche épidermique, on peut créer des mètres carrés de surface en très peu de temps. Ça double de manière assez spectaculaire. Et Yann Barandon disait qu'à partir d'une seule cellule souche auquel il est capable de faire 180 divisions, il pourrait recouvrir la planète, s'il veut. Et est-ce que tu crois que le fait, parce que là, tu as montré que tu as comparé un promoteur IF1 alpha Oui. qui est pas le promoteur endogène, hein, du CDNA que tu veux exprimer. Est-ce que tu crois que ce serait quand même plus souhaitable par une méthode de gene editing ou par un promoteur endogène pour la greffe à long terme? De faire ces gènes sous contrôle d'un promoteur physiologique, en fait. Alors, c'est encore une bonne question. Comme je l'ai montré, mais je suis passé rapidement, j'avais généré d'abord un vecteur avec le promoteur collagène 7 court, mais c'est un promoteur qui est mal caractérisé. Donc, j'avais pu avoir un vecteur efficace, j'avais pu montrer qu'il répondait aux signaux de régulation connus du promoteur collagène 7, mais tous ne le sont pas, mais c'est essentiellement une réponse au TGF-bêta et à l'acide rétinoïque qui vont up-réguler ou down-réguler l'expression. Et ce vecteur était presque mon vecteur mon backbone de choix. Mais d'une part, le niveau d'expression est plus faible que le F1 alpha court, qui est pourtant pas très fort. Et c'est un promoteur qui est très très faible, le promoteur Col7. Et lors des productions, la génération des clones de l'ennemi d'empaquetage, on a eu un meilleur résultat avec le backbone EF1 alpha plutôt qu'avec le backbone Col7A1. L'autre critère, c'était que le promoteur EFS, donc EF alpha court, est un promoteur très bien caractérisé, notamment utilisé dans plein d'essais cliniques de thérapie génique, dans d'autres lignées cellulaires, et a montré son innocuité, son absence de mutagénèse insertionnelle. Alors que le promoteur court Col7 que nous avions dérivé était encore une petite boîte noire. Donc il y avait peut-être un risque qu'on puisse avoir un effet délétère. Donc, bon an, mal an, on a choisi au décours de toutes ces analyses le promoteur EFS. L'autre chose, c'est que l'expression, en tout cas tissu spécifique du collagène 7, ne semble pas indispensable. On n'est pas dans le cadre de la bêta-globine. On a fait des souris transgéniques avec des constructions de collagène 7 humain, par exemple. On a fait, nous, des Japonais, on a surexprimé le collagène 7 dans les souris. Et on n'a pas vu d'effet délétère. Donc, constitutivement, après transfert de gènes chez la souris, on a croisé avec des souris knockout pour qu'elles n'expriment que le collagène 7 humain et à plus forte dose, on n'a pas vu d'effet. Donc, il ne semble pas, dans ce cas-là, que une régulation fine soit nécessaire. Cela dit, l'édition du génome est quelque chose d'intéressant, notamment parce que on n'est quand même pas parfait, on a encore des soucis de réarrangement de cassette, comme je vous ai dit, à cause de la taille du CDNA et de la rétrotranscription. Et donc, il y a un plus des pros and cons pour les deux approches. L'édition du génome, c'est évidemment l'avenir de la thérapie génique pour plein de bonnes raisons. Le seul désavantage dans ce cas-là, c'est qu'on va corriger des mutations à certains endroits. Parce que ramener une cassette pour faire une recombinaison homologue sur l'ensemble du CDNA, donc 9 KB, ça semble très peu efficace. Et donc, on va
contrairement à l'approche d'addition de cDNA par vecteur viral, où on va s'adresser à toute la population de patients, l'édition du génome à l'heure actuelle ne s'adresse qu'à une sous-population qui porte des mutations dans certains exons ou à certains moments. Okay. Et c'est juste aussi une remarque et très vite ton opinion là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de l'approche avec l'HSV, parce que c'est quand même un vecteur non intégratif. Moi, je me demande quand même vraiment combien de temps on doit re-administrer ce vecteur. Est-ce qu'on est vraiment capable de traiter une grande surface de cette façon? C'est toutes des questions que je me pose et c'est un peu contributif à la thérapie génique où on veut quand même faire une guérison à long terme, un traitement ou quelques traitements qui vont durer dans le temps. Donc. Oui, très très bon point, Else. Alors, c'est quelque chose d'assez excitant, cette approche, parce que la capacité de pouvoir être in vivo, donc c'est beaucoup moins lourd, c'est très séduisant. Maintenant, j'étais un des premiers à me questionner sur l'approche, parce que je crains une réponse immunitaire à la HSV. Hein. On a tous une séroprévalence à la HSV1, on a tous été primés, on a tous une infection à HSV1. Et même s'ils utilisent des amplicons herpétiques qui ont été largement modifiés pour ne plus avoir de gènes, certains gènes viraux, et qu'ils affirment que dans leur plateforme, ils ont diminué l'immunogénicité de leur vecteur de manière très importante, ça restait un souci. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir réadministrer souvent? Donc, ils disent qu'ils ont... Alors, malheureusement, il n'y a pas de publication de travaux précliniques. La boîte est allée directement en clinique avec leurs travaux et ont présenté aux agences leurs éléments qui leur ont donné l'autorisation d'effectuer un essai clinique qui est en cours. On n'a pas de résultats à part des résultats intermédiaires lors de congrès qui disent que c'est très bien toléré, qu'ils ont vu une réexpression de collagène 7. On a à peu près 9 sur 10 des zones traitées qui ont montré une amélioration et une guérison plus rapide. Donc, ça semble très intéressant. Et pour l'instant, sans effet adverse et sans réponse immunitaire. Mais ça reste préliminaire, ce n'est pas publié et c'est sur un nombre de cas limité. Donc, si réellement on arrive à administrer 10, 15 fois, 20 fois ce composé en topique, parce qu'on peut cibler les fibroblastes dès qu'il y a une plaie chronique, on peut appliquer le vecteur herpétique, il va s'intégrer et produire le collagène 7 dans les fibroblastes du derme, on pourrait avoir une amélioration de la cicatrisation, c'est ce qu'il montre. Donc, cela étant, et si l'expression n'est pas trop forte pour que ce ne considère pas une vaccination, parce que si on a une réponse immunitaire derrière contre le collagène 7, c'est un autre problème. On a aussi ce souci-là, nous, et on a pré-criblé les patients pour ça pour le moment, mais on a une expression qui est modérée de l'expression. Là, ils utilisent un tandem de construction de cassettes du cDNA avec un promoteur CMV très fort pour avoir une expression très, très importante. Et le dernier point, pour expliquer pourquoi ça pourrait fonctionner si on arrive à réadministrer ce vecteur au long terme, c'est que la demi-vie de la protéine du collagène 7 chez l'homme, a priori, est très longue. C'est-à-dire qu'on a pu mesurer 1 à 2 mois de stabilité. Donc, ce n'est pas une protéine qui se régénère toutes les 48 heures. C'est quelque chose qui va être, une fois qu'elle est synthétisée et que ses fibres d'ancrage sont fabriquées, c'est des structures assez stables.